Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite recette de tartelettes aux pommes, au mi-choco et à la crème au caramel, au compact coquelite. Alors vous allez voir, hein, c'est facile, rapide à faire et c'est hyper gourmand. Moi, j'adore. Donc, je commence par préparer ma crème pâtissière. Je commence par mettre la pâte de mélange. Je mets 50 g de farine, 50 g de sucre en poudre. J'ajoute 150 g de caramel. 500 g de lait, alors écrémé ou demi-écrémé, 2 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. Je mets le couvercle, le capuchon, j'appuie sur ce bouton, j'appuie sur programme, je mets programme 17 qui est crème anglaise et crème pâtissière. J'appuie ici, je passe en vitesse 3. Je mets en route, donc vous voyez 10 minutes, 80 degrés, donc vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 10 minutes. C'est arrêté, on va regarder. Donc vous voyez, la crème est belle, elle est excellente. Je prends des moules en forme de demi-sphère. Je prends ma crème au caramel et je vais les mettre dans les moules. Alors, je vais laisser refroidir à température ambiante pendant un quart d'heure, 20 minutes. Dans un quart d'heure, 20 minutes, je les mettrai au congélateur jusque demain au moment de monter mes tartelettes. Donc, on se retrouve demain pour la suite de la préparation. Je fais préchauffer mon four thermostat 6 pendant 15 minutes. Je prends une pâte. Alors, moi, c'est une pâte feuilletée que j'ai achetée au magasin. Mais vous pouvez prendre une pâte brisée. Vous pouvez prendre une pâte à tarte que vous avez fait vous-même. Pas de problème. J'ai pris des empreintes à tartelettes. Je vais les beurrer et les fariner. Donc, je les fais toutes et je vous montre après. Je coupe ma pâte en 4 et je vais l'étaler dans mes tartelettes. Je vais bien mettre au bord comme ceci. Vous voyez, mes tartelettes, mes moules sont beurrées, farinées. Avec un rouleau à pâtisserie, je vais couper le surplus de pâte comme ceci. Quand mes fonds de tartelettes sont dressés, je prends des pommes, je les épluche. J'enlève le milieu. Je les coupe en quartier, en fines lamelles et je les mets sur ma pâte. Donc, je mets à peu près une demi-pomme par tartelette. Je les garnis toutes et je reviens vers vous après. Donc, quand c'est fait, je prends des bonbons mi-choco. Alors, c'est pas mi-choco, c'est la marque, hein, mais c'est pareil. Je vais les ouvrir et je vais en mettre sur mes gâteaux. Donc, vous en mettez 3 comme ça, éventuellement 4 si vous êtes gourmand. Là, je vais tous les faire et je vais enfourner mes tartelettes pour 30 minutes. Thermostat 680 et dans 30 minutes, je les sortirai. Voilà, mes tartelettes sont cuites. Je vais les démouler. Je prends une assiette, je mets un fond de tartelette. Ensuite, je vais prendre les crèmes que j'ai congelées et je vais le mettre sur ma tartelette. Je vais laisser décongeler à température ambiante pendant 1 heure à 1 heure et demie. Et après, ben, on passera au dessert et on se régalera. Donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.